Place au cinquième monde. On va pouvoir partir avec l'aéronaute. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant que tant de dragons ont été sauvés. Bah moi aussi. Saute dans le ballon et je t'emmènerai au monde des tisseurs de rêves. Tu es prêt à y aller? Je suis absolument prêt. Comment il lui saute sur la tête? Ah, le monde des tisseurs de rêves avec ses ennemis qui changent de taille. Et le canon rétrécissant et augmentant. Les petits champignons. Ah, ils sont bien, on dirait des sales gosses. Eux qui ont peur. Normalement, ils font des trucs comme ça dans le 1. Je les imite très bien. Je vous assure. Ouais, t'avais une drôle de tête. Ah, le level design a été parfaitement repris. Hein. Bon, déjà, on va, comme d'hab, 100% teaser ça. Ah, non, pas maintenant. C'est ça. Ils ont refait un peu le bruit, mais c'est ça. C'est exactement ça. Il est bien space, quand même, ce niveau aussi. Alors, dans le 1, t'as moyen de gruger et de passer eux, même s'ils sont grands, mais... Poum, poum, poum. Ça fait plaisir. Et le trophée idiotie pour en avoir pété 3 à la suite. Bon, ça, c'est le boss Jacques, c'est pour plus tard. Je prends juste les joyaux. Hein. Voilà, pour l'instant, t'as l'air très sympa, mais tu ne m'intéresses pas. On fait d'abord les niveaux dans l'ordre, hein, tu permets? Je suis quelqu'un d'organisé. Hop. Hein. Bon, l'avantage, c'est que eux, même grands, tu peux les tuer. Hein. Les autres, tu peux pas, ils ont des armures en métal. Alors là, t'as un petit trio, juste pour le fait de prendre 3 tourbillons. Parce que, pourquoi pas. Bonjour. Voilà. Attends, est-ce qu'ils ont pas ajouté des petits trucs marrons? Non, Spiro, merci. Bon, déjà, toi, on va te réduire. Je te réduirai. Toi aussi. Ton pote aussi. Heureusement qu'il y a, quand même un autolock. Hein. Les Slipon, toi, t'es ajouté seulement sur le mec pour le premier. Exactement. On est complètement d'accord. Il n'y en avait pas dans le 1. Il y en avait dans le 2 et 3, mais il n'y en avait pas dans le 1 jusqu'à maintenant. Donc ça a été complètement ajouté dans ce remaster. Et c'est plutôt stylé d'ailleurs, c'est une bonne idée. Comme ça, les 3 ont des points d'aptitude. J'arrive pas à appeler ça autrement que points d'aptitude. Hein. C'est leur nom en VF dans le 1. Dans le 2 et 3. Mais dans les premiers, je veux dire. Tac, tac, tac. Bonjour. Tu voles peut-être, mais tu n'as aucun intérêt. Feu d'artifice! Il est magnifique ce sol ou il est pas magnifique? J'ai sauvé Latif! Bienvenue chez les tisseurs de rêves. Il est classe! En affrontant les sbires de Gnasty dans ce monde, attends-toi à l'inattendu. Et prépare-toi pour ce qui n'est pas là. Prépare-toi à l'imprévisible! C'est ça la vraie phrase et elle est mieux que ce que tu viens de dire. Bordel de gnou! Prépare-toi à l'imprévisible. Je suis d'accord pour changer quelques trucs, réactualiser, mais la phrase était nettement plus stylée dans le 1. Putain. Touche pas à mon Spiro. Voilà. Voilà, ok. Maintenant, on va partir par là-bas. Parce que j'ai pas fait la suite du niveau. J'aime pas partager. Oh, pas bien. Joey, pas partager son manger. Un Big Mac à Philophilie. Tu vas me donner faim. Moi qui ai mangé un bout de quiche. Non, c'est très bien un bout de quiche. Dragon Zikomo. T'es très filiforme. Très fluide. Mon travail. Mon travail sera fini quand j'aurai grillé Gnastic Nork. Oui. Je pensais être un puriste, mais je vois que tu connais toutes les répliques de chaque dragon. Alors, toutes les répliques de chaque dragon, peut-être pas, mais j'ai fini les jeux principaux, originaux, à 100% chacun, plus de 10 fois dans ma vie, en comptant que le premier, je l'ai eu bah, quand il est sorti. Oui, je suis vieux. Et donc, du coup, je suis extrêmement habitué.
Ah oui, c'est là qu'il va y avoir les petits lutins avec les chronos, là, pour la première fois que t'en vois un. Et ça sera utilisé plus tard dans un niveau, ça. Putain, elle est belle, la tour, là. Voilà, c'est lui, le lutin chrono. Dans le niveau... Bah, d'ailleurs, niveau Jack, qui est un boss incompréhensible dans un niveau incompréhensible. Putain, c'est stylé et c'est vachement bien fait. J'aime bien sa tête, à lui. C'est vachement bien. Il est cool. Il est cool, le petit personnage. Ils l'ont bien fait. Dragon Mazi a été sauvé. Les idiots de ce monde sont invincibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les attaquer. Ça me va. J'ai compris. Ok, tous les dragons sont trouvés. Attends de voir dans le 2. Ouais. Mais je crois que je sais parce qu'il me semble avoir vu un truc passer. Si c'est ce que je pense, effectivement, ça va m'énerver. Mais je vais rien dire. On verra quand je serai au 2. J'avance bien dans le 1, là. On fait le petit 120% des familles. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours 120% dans ce niveau, dans ce jeu-là. Hein, on verra bien. Est-ce que tu as joué aux 3 opus sur Game Boy et les 2 sur PS2? Alors, non. J'ai commencé même Spyro 4, donc le premier sur PS2, et j'ai pas pu, quoi. Donc Spyro, pour moi, sur GBA, j'ai fait un petit peu, c'est pas trop mal. Mais Spyro, pour moi, c'est les 1, 2, 3, et puis c'est tout, quoi. J'ai vraiment pas réussi les autres. C'était déjà plus Spyro, quoi. Une vie. Alors, ouais, il faut activer les deux, mais je sais plus dans quel ordre, parce qu'on ne sait pas, de toute façon. Et il faut que je monte. J'aime bien les petits bruits et tout. Ah non, je me suis complètement foiré. Non mais viens là toi, voilà. C'est trop stylé les bruitages là. Je les aime bien. C'est bon, j'y suis. Là je vais pas brûler ici. Non. Ok, joyau. Est-ce que tout est bon ou est-ce que j'en ai oublié quelque part? Ah bah j'en ai complètement oublié quelque part. Mais il y a un point d'aptitude là, c'est arrivé dans la salle secrète. Il doit me manquer un truc que j'ai zappé. Que dit Sparks? Sparks il me dit que c'est par là. Est-ce que c'est un endroit qu'ils ont ajouté? Non. Non, non, j'ai juste dû oublier un coin. Je suis monté là. Ah bah là déjà. Voilà, effectivement. J'avais pas pris ces joyaux là. Tu peux loquer Sparks en mode recherche? Non, tu peux pas. Et les autres, c'est par là-bas. Bon, j'ai clairement oublié des joyaux, d'accord, d'accord. C'est bon, on va les chercher. J'ai peut-être un peu trop avancé. Un peu trop vite, du moins. Tac. Bah alors, c'est dans le château. Mais le petit point d'aptitude de la salle secrète m'intrigue. Parce que de quelle salle secrète il parle? Ah oui, ah putain, en plus ceux-là, il me les manquait aussi la première fois. Je les avais oubliés. Ok, c'est bon. J'ai les 300 joyaux. Mais il y a un point d'aptitude là. Hein. Je sais pas ce qu'ils entendent par salle secrète. Qu'est-ce que tu entends par salle secrète, le jeu, aide-moi. Oh putain! Oh! Et genre, ça me téléporte sur l'autre plateforme qui est comme ça? Non, pas du tout. D'accord. Eh ben, effectivement, ils ont rajouté une salle. Ou alors je l'ai jamais trouvé dans le 1. C'est possible aussi. Si... Putain, ça me donne envie d'aller vérifier, tu vois. Alors, petit aparté en voix off, vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier. J'ai retrouvé mon disque de Spyro 1 et ma sauvegarde, et il n'y a rien du tout ici. Pas de pixels qui laissent passer, de portes mal collisionnées ou quoi. Donc c'est vraiment un ajout de la Reignited Trilogy. Voilà, on peut reprendre le niveau. Bien, et eh ben écoutez, j'ai trouvé la salle secrète, mais c'était étrange.